Pánové, dobrý večer. Vítám vás opět zde v divadle Husa na provázku na druhém večeru festivalu Měsíc autorského čtení. A druhým francouzským spisovatelem, kterého zde dnes přivítáme, bude pan Alain Roussel. Pan Alain Roussel se narodil v Boulogne-sur-Mer na severu Francie a v současné době žije v Bretani v Rennes. Píše převážně takzvanou poetickou prózu nebo poezii v próze a jeho dílo ocenil mimo jiné jeden z nejdůležitějších představitelů nového románu Alain Robbe-Grillet. Pozitivní ohlas mělo také u semiologa Rolanda Bartha a u dalších osobností francouzského literárního světa. Hlavním tématem tvorby pana Roussela je metafyzické hledání smyslu života a skutečnosti, ale také hledání a vyjadřování citů a pocitů. Vydal od svého debutu v 70. letech již téměř 20 knih. A zde nám přečte úryvky ze čtyř knih, které v podstatě ukazují různé aspekty jeho tvorby. Úryvky do češtiny přeložili pan Petr Wurm a pan Petr Král. A pana Petra Krále bych chtěla pozvat zde na jeviště, aby doplnil toto představení pana Roussela ještě ze svého osobního hlediska. No, já nebudu potom dlouze vykládat, já jenom chci říct, že Alain je jednak teda přítel, ale že nás spojí něco velmi příbuzného v poetikách, nebo aspoň v přístupu ke světu. My jsme ostatně tomuhle dialogu nebo souznění věnovali do dlouhé večery. My jsme měli opravdové metafyzické sedánky spolu za pomoc někdy alkoholu, někdy hašiše, někdy ničeho, ale vždycky jsme se snažili dojít co nejdál ve svém vlastním myšlení, ale tak, jak ho může ten druhý ve vás probudit a inspirovat. To znamená, ne, že jsme opakovali každý to, co jsme předem věděli, ale že jsme čekali od těch setkání, že nás ten druhý dovede někam, kde jsme ještě nebyli ve vlastní hlavě a ve vlastním těle, a pak přeneseným slova smyslu. A dařilo se to jako s nikým, to je prostě, to je tak. Oni se tam taky stýkali různý dálky, já jsem byl v Paříži, v exilu, nebo prostě z Prahy. On do ní jezdil z Bordeaux, zejména dlouho, kde žil, a někdy žil taky pak v Paříži, ale to byla spíš epizoda. A to tam možná hrálo jakousi tajemnou roli. A tady bych už jenom doplnil to, co bylo řečeno. On je skutečně ty jeho prózy, zejména ty krátké prózy, kterýma začne, mají povahu metafyzického hledání, o to hlubšího, že v něm nechybí humor, jak hned chci předeslat, jak se objeví zejména v té závěrečné části toho, co bude číst, ale i to slovo, i to metafyzické hledání zasluhuje jistého zpřesnění. Ono vždycky vychází, ono je to básnicky metafyzické hledání, to znamená, že to jsou pohledy často na velmi všední nebo každodenní skutečnosti, fakta, gesta, které jsou rozvinutý až tam, kde najednou ztrácíme pro věci jméno. A to jméno právě je to, co ty Alainovy texty hledají, to jméno pro to nepojmenovatelné, tak jako jsme ve svých rozhovorech hledali jméno pro to, ne pro to, co víme, ale pro to, co nevíme. A teď už mu předám slovo. Bonsoir, ça marche comme ça? Vous êtes un peu plus fort? Jste mě dobře, nebo mám mluvit hlasitěji? Bonsoir. Dobrý večer. je tiens d'abord à exprimer le plaisir que j'éprouve d'être présent parmi vous pour cette lecture, ici en République tchèque. Certains aspects de la poésie tchèque, sens du quotidien et humour notamment, me touchent tout particulièrement. L'amitié que je partage avec Petr Král depuis de longues années y est indéniablement quelque chose. Je vais commencer cette lecture par 5 textes extraits d'un livre publié aux éditions Lettres Vives, La légende anonyme. Ce sont en effet de très courtes légendes qui relatent les tribulations de l'homme face à l'espace, le temps, l'errance, la présence et l'absence, les jeux du même et de l'autre. Je vais en profiter pour boire juste un tout petit coup. Na úvod bych vám chtěl říci, že jsem velmi rád, že se mohu účastnit tohoto autorského čtení tady v České republice. Já mám v české poezii velmi rád hlavně její smysl pro všednost a každodennost a její humor. A myslím si, že v tom má svůj díl také mé dlouholeté přátelství s Petrem Králem. Chtěl bych toto čtení zahájit 5 úryvky, které pocházejí z knihy, která vyšla v nakladatelství Lettres Vives a jmenuje se Bezejmenná legenda. Jsou to vlastně krátké legendy, které popisují lidský boj a lidské trampoty s prostorem, s časem, s blouděním, s přítomností a nepřítomností a hry stejného a jiného. Il marche dans la neige. C'est peut-être un champ, mais on en cherche en vain les limites. Peut-être marche-t-il dans l'étendue, sans mémoire et sans nom. Il marche là depuis toujours, c'est-à-dire ici, en quelque sorte un piétinement élargi. Il faudra bien qu'il s'arrête un jour, mais il ne connaît pas l'immobilité. De très lointains voisins l'appellent itinérant. Quand la neige a fondu, il marche dans les blés ou dans les coquelicots, mais c'est encore comme une tache blanche devant lui. Il appelle cela sa lumière. Le reflet lui fut fatal. Quand il découvrit son image dans les temps, elle le renvoya d'image en image vers un visage qu'il ne connaissait pas. Il devint un vagabond, ni identité, ni domicile. À force des pieds, il se laissa gagner par le recul et finit par pousser son voyage devant lui. Il prit ainsi du retard sur les choses et sur lui-même, retrouvant en tout lieu sa trace ancienne. Il ne savait plus traverser. L'intimité des forêts lui étant interdite, il allait par les lisières. Souvent, on le voyait marcher vers le soleil, balbutiant des mots sans suite, dont il écoutait longuement l'écho, dans l'espoir qu'il lui revint avec le chant natal. Quand, tout à coup, la fatigue le prend, il s'arrête et s'endort. Il attend en secret que la nuit vienne prendre possession du cristal. Cette fois encore, l'occupant le prend de vitesse et bivole la rencontre qu'il devait avoir avec le monde. Ce n'est pas qu'il soit absent, mais il assiste seulement, une sorte de témoin encombrant du vieux drame injouable. L'arbre qu'il contemple, on le lui enlève par l'invisible. Il se retrouve seul, à promener sur la vie un regard sans objet. Quand il écoute, il ne retient pas longtemps la musique. Un souffle envahissant son souffle emporte celle-ci au loin, ne laissant sur le rivage, avec les galets, que le bruit rouillé de la pensée. Ramasse-t-il une pierre, une main aussitôt est dans la sienne, pour prendre au fond des choses ce qu'il y a de plus léger. Même sa parole ne le concerne pas vraiment, jetée là par ce vent intérieur qu'il ne domine pas. Alors il se tait, espérant au moins s'approprier le silence, mais celui-ci se dissout dans un silence plus vaste, qui n'appartient à personne. Un de ces instants déserts, éternellement décrochés de la durée. Il tient des réunions secrètes au milieu de la foule. Des mannequins désabusés lui ont enseigné les gestes. Des bars, il aime les coins obscurs. Le bois écorché des tables le tient en alerte. Dans les volutes d'un cigare négligemment fumé, il trouve un brouillard complice. Il a pour bagage certains replis du fleuve. Il en emporte aussi les reflets, le parfum du soir, oublié quelque part sur la berge. La bordure usée d'un trottoir lui sert de piste dans la jungle familière. L'ombre qui cerne le vieux clocher dans la lumière assassinée d'une fin d'après-midi lui rappelle vaguement l'exil. Il y a derrière chaque pays des rails noués qui ressemblent aux lignes de sa main. Il fait partie du voyage. Chaque matin, il se préparait pour le rôle. C'était toujours la même pièce, les mêmes décors extérieurs. Il s'intéressait surtout aux coulisses, où, sans public, se jouait notre drame. De celui-ci, il ne connaissait rien, sinon la nécessité intime de lui prêter sa voix et ses gestes pour une représentation dont il croyait être l'intrigue. Aussi faisait-il confiance à son souffleur. Il récitait aveuglément, respectant les accélérations soudaines et les silences qui lui venaient du fond du trou. Il ne savait rien non plus de ce souffleur, mais un jour qu'il se penchait plus profondément en lui-même, sans pour autant l'identifier, il parvint à lui voler le livre qu'il tenait ouvert dans ses mains. Il s'aperçut alors qu'il n'y avait rien d'écrit. Le recto et le verso de l'abîme restaient obstinément blancs. Il continue pourtant de se préparer pour le rôle, s'offre dans les coulisses à la représentation. Tout est en ordre. Le souffleur est dans le trou, avec le livre, et dicte avec la même aisance. Mais lui, maintenant, ayant perdu son alibi, il balbutie. Voici maintenant un extrait de La vie privée des mots, publié en 2008 aux éditions de la Différence. C'est un livre difficilement traduisible. En effet, j'ai utilisé pour l'écrire deux techniques singulières. L'une est la cabale phonétique, qui permet, à partir des sonorités, de la phonétique, de jouer sur le sens des mots. L'autre est une interprétation symbolique très personnelle de la forme des lettres de l'alphabet. Ainsi, pour prendre un exemple, dans le mot « mot » en français, le « M » représente pour moi un énigmatique chameau à trois bosses, particulièrement utile pour la traversée des déserts à plusieurs dimensions d'imaginaire. Le O et son œil, et le T, est un gouvernail avec lequel il se dirige dans l'inconnu de la langue. Le but est d'intervenir sur la matérialité des mots pour dégager un sens nouveau qui existe, mais que l'usage courant de la langue ne nous permet pas de voir. J'ai appliqué ces méthodes à la langue française, mais elles sont évidemment utilisables dans d'autres langues. Pour cette lecture, j'ai choisi des extraits plus facilement traduisibles. J'émets, en effet, vers la fin du livre, l'hypothèse qu'il manque de lettres à l'alphabet. Qu'est-elle devenue? A-t-elle été assassinée? A-t-elle été kidnappée? Est-elle tombée amoureuse d'une lettre d'une autre langue? Voici ces extraits. Et s'il manquait une lettre à l'alphabet, rien qu'une lettre. De ce fait, il manquerait aussi dans la langue tous les mots dont elle fait partie. Le langage serait alors impropre à exprimer certains aspects du monde, certains états de l'être, certaines émotions. Il y aurait des blancs dans l'expression, des lieux aveugles, correspondant pourtant à des choses bien réelles. Par conséquent, celle-ci ne serait évoquée que par défaut, d'une manière très approximative. On parlerait d'expériences ineffables, indicibles, inexprimables, innommables, de réalités insaisissables, impénétrables, de mystères indéchiffrables. Autant de preuves de notre incapacité à dire vraiment un constat de carence. L'invention de cette lettre, ou sa redécouverte, s'il s'avérait qu'elle eût été perdue, comme l'affirment certains mythes, serait susceptible d'ouvrir des perspectives nouvelles à l'expression et à la connaissance. Après tout, cette lettre est peut-être allée vivre ailleurs, dans une autre langue. Ce n'est pas irréaliste. Il a pu tomber amoureuse d'une lettre étrangère. Si elle est très attirante, comme je le pense, les soupirants ne doivent pas manquer. Je l'imagine très bien tomber amoureuse d'une lettre d'alphabet hébreu, arabe ou sanskrit, charme oriental oblige, s'enfuir et aller la rejoindre dans une de ces langues pleines des suavités et des splendeurs de l'Orient. La voilà dans un palais des mille et une nuits, dansant pour je ne sais quel sultan du verbe, lui révélant au fur et à mesure qu'elle se dévoile ses voluptueux mystères. Ah, l'amour, rien ne lui résiste. Même le roi Salomon n'avait pas pu s'empêcher de transmettre, sous l'emprise de la passion, le secret de la langue des oiseaux à la reine de Saba. C'est une piste parmi d'autres. D'autant plus que je la sens un peu volage, cette lettre. Je ne crois pas en sa fidélité. Elle aurait pu tout aussi bien s'amouracher d'un hiéroglyphe égyptien ou d'un idéogramme chinois. Le seul élément de l'enquête dont je suis certain, c'est qu'il y a une lettre manquante, qu'elle ait existé ou qu'elle soit encore à naître. Que dire d'autre? C'est le matin. Après de longs jours de pluie et de grisaille, le soleil vient enfin d'apparaître. Je l'aperçois par ma fenêtre ouverte. Il éclaire les arbres, les buissons, les façades, les passants, les nuages, le ciel. Sous cette lumière, le monde m'offre de multiples formes qui m'interpellent. L'univers parle, l'univers écrit, même si je n'en comprends pas forcément la langue. Comme le vent, la montagne, la nuit, le jour, nous faisons tous partie de son alphabet. Chaque homme, chaque fleur, le moindre caillou sont des lettres. Les mots du monde s'unissent à notre insu pour créer des phrases qui tournent indéfiniment sur elles-mêmes, comme la terre, le temps et l'espace. Voulant comprendre cette langue étrange de la nature, l'homme invente ses propres mots. Il cherche à travers son verbe imparfait une traduction impossible, essayant de nommer arbitrairement les choses qui parlent un autre langage que le sien, un langage où le signe et l'être sont inséparables. Aussi improbable que cela puisse paraître, il y a parfois des rencontres fulgurantes. Les mots de l'homme et ceux du monde se rejoignent, fraternisent. Soudain, des portes s'ouvrent. J'ai déjà éprouvé cette sensation qui transporte, qui porte en extase. Je la voudrais plus fréquente, pouvoir la reproduire plus souvent. Le sens devient alors lumineux, d'une évidence absolue, au-delà ou en dehors des mots mêmes. Et si nous voulons en parler, nous ne le pouvons pas. Nous sommes réduits au silence. À cet instant, regardant par la fenêtre, le monde me tient à distance. Il ne me lance pas de passerelle. Je peux néanmoins en apprécier toute la beauté. L'arbre devant moi, avec son feuillage de lettres, est magnifique. Je ne me lasse pas de le contempler. Si je voulais, je pourrais l'étreindre. Serais-je amoureux? C'est possible. L'arbre est un grand séducteur. J'en arrive à me dire que la lettre perdue n'est peut-être pas si introuvable que je le pensais. Par amour, elle serait passée du côté du monde. Je l'imagine fort bien se prendre de passion pour un de ces arbres, semblable à celui qui se penche avec des involtures sur ma terrasse, se demandant peut-être ce que je fais là, sur ce qu'il considère être comme son territoire. Je peux même imaginer qu'elle a fini, d'arbre amant en arbre amant, par échouer ici, cette lettre. Elle serait là, se pâmant parmi les feuilles, impudique. Il ne me resterait plus qu'à la découvrir, au milieu d'une vaste variété de formes sans cesse renouvelées par le vent. Courage, mon ami. Me voici à l'ouvrage, scrutant les dentelures, fouillant les jupons de verdure, à la recherche d'une lettre amoureuse dont je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Je vais continuer ma lecture par des extraits de L'Ordinaire, la métaphysique, publié chez Cadex. J'ai cherché dans ce petit livre à réinterroger les objets les plus banals, qu'est-ce que la chaise, la table, la porte, etc., dans une perspective que je qualifie de métaphysique, plus précisément quelque part entre la poésie et la métaphysique. La chaise. Takže já bych vám nejdřív teda shrnula komentář k tomu úryvku, který jste právě slyšeli. Takže to byl úryvek z knihy Soukromý život slov. A to je knížka, která je velice náročná na překlad, protože pan spisovatel použil takovou zvláštní techniku, které říká fonetická kabala. A tahle technika umožňuje vlastně na základě zvukové stránky jazyka, na základě fonetiky, hrát si se smyslem slov. A v podstatě je to taková jeho osobní symbolická interpretace tvaru jednotlivých písmen. To znamená, jak jste slyšeli v tom úryvku nebo viděli, například když si vezmete písmenko M, tak to M může představovat takového zvláštního trojhrbého velblouda, který je užitečnější než obyčejný velbloud, když se jde přes poušť. O může být oko toho velblouda a T může být kormidlo, kterým si pomáháme, když se vydáváme do neznáma, přes tu poušť nebo do neznámého jazykového prostoru. A cílem je vlastně se opřít o tu materiální, formální stránku jazyka a získat tak nový smysl jazyka, který při jeho obyčejném užívání vůbec není vidět. A tahle ta metoda samozřejmě se dá aplikovat na francouzštinu nebo také na jiné jazyky. A tenhle ten úryvek to byl jeden z těch, který je na překlad snadnější. A na konci tedy, jak jste slyšeli, byla hypotéza, že v abecedě chybí jedno písmenko a klademe si otázku, co se s ním stalo, jestli bylo zavražděno, jestli bylo uneseno, nebo jestli se třeba nezamilovalo do nějakého písmenka z jiného jazyka. A nyní úvod k tomu úryvku, který teď uslyšíte. To bude ukázka z knihy L'Ordinaire, la métaphysique, což by mohlo být přeloženo jako obyčejnost metafyzika. A v této knize si kladu otázku, čím jsou z metafyzického hlediska úplně nejobyčejnější předměty každodenního užitku. Čím je židle, čím je stůl, čím jsou dveře a tak dále. A dívám se tedy na tyto obyčejné věci z metafyzické perspektivy, nebo spíše z perspektivy, která je na hranici metafyziky a poezie. La chaise. La chaise est toujours assise. Elle se mime assise jusqu'à s'identifier assise. Elle ne sait pas qu'elle est chaise. Elle s'appuie sur quatre pieds fragiles qui, à peine élancés, se tordent pour construire un socle de bois. Le dossier court est une dernière concession à la verticalité. Mais l'apparence générale, par le jeu trop rigoureux des angles droits, n'exprime aucune ferveur ou envolée. La chaise est fondamentalement le lieu d'une incroyance. Elle n'attend personne. Que je vienne m'asseoir à moi l'homme, que je daigne à mon tour me plier, prendre la posture, elle s'insurge. Elle se met à grincer, à peser sur le sol, d'un poids qui n'est pas le sien. C'est là, dans l'épreuve, dans l'acceptation de l'occupant, qu'elle commence à se reconnaître comme chaise. Je suis assis, cela je le sais, mais je ne sais pas encore que je suis chaise. Qui me fera prendre conscience de ma nouvelle nature? Le ciel alors viendra s'asseoir sur moi, un ciel tassé, qui me dictera mon nom et mon rôle. Je sais maintenant que je suis chaise. Le ciel, évidemment, sait qu'il est assis. Mais qu'il soit chaise, il l'ignore encore. Qui le lui dira, à lui, l'unique, qui viendra s'asseoir sur lui pour lui prouver? Le néant, d'un seul coup de pied, envoyait la chaise voler. la table. La table est toujours au centre. Même dans un coin, elle est au centre. Elle ne reconnaît pas d'autre lieu que sa propre surface. Son bord est pour elle une limite infranchissable. En dehors, il n'y a rien. C'est tout juste si elle admet l'existence de mes coudes, posés à même le bois. Mais elle nie mon visage, qu'il me faudra chercher ailleurs. C'est cela la table. En occupant le centre, me condamne à l'errance. Longtemps, j'ai marché dans son jeu. J'ai joué l'usurpateur par toutes sortes d'approches, destinées à lui ravir la place. Aujourd'hui, je préfère me tenir à distance, l'esprit vide dans la partie vide de la pièce. Je n'existe peut-être pas, mais c'est ma force. Que peut la matière contre moi? Depuis, la table s'est mise à douter, mais elle cache soigneusement son écorchure sous une nappe blanche qui lui sert de linceul. La porte. La porte fait face à la rue. Elle me tourne le dos, moi qui suis de l'autre côté, dans la pièce, à jouer à l'intériorité, cette carapace. La porte s'oppose à toute tentative d'intrusion qui viendrait troubler ma tranquillité d'être. Elle filtre même les bruits qui ne me parviennent qu'étouffés, traduits dans un langage paisible pour que je l'accepte de les entendre. Rue suffisamment lointaine pour mettre mes sens aux aguets, sans créer véritablement le danger. Celui-ci viendra à son heure d'un lieu profond où il n'y a rien et qui se moque des espaces. C'est dans la porte que le mur trouve son cœur. C'est là que la pierre vient s'adoucir et révéler sa fracture. La porte trop ouverte n'est plus une porte. Elle s'efface devant le seuil. Si elle n'est qu'entrouverte, elle révèle son absence de profil, mais sourit quand même avec un léger grincement. Pour sortir, il faut la tirer à soi, prendre ce recul qui vous donne des armes intérieures pour affronter la rue. Mais si je reste, le mouvement de la clé dans la serrure ne clôt pas le débat. Ce que je crois être le plus intime, cette pensée à laquelle il m'arrive de m'identifier, est aussi une porte qui donne sur une rue inconnue où nul n'a jamais marché. La Ville, qui est donc un texte dédié à Petr Král. La nuit venue, la ville appartient aux nomades. Dans la galaxie des façades éclairées et des trous noirs, il suit sa bonne étoile, qu'il reconnaît à ce léger tremblement du voilage dans la fenêtre entr'ouverte. Derrière, l'ombre qui passe, chevelure déployée, est une comète. Mais l'intériorité de la ville est ailleurs, dans la rue même qui ne cache rien, squelette dehors, nerfs à vif, veines ouvertes sous le scalpel de mon pas qui cherche le cœur. Sous le regard bienveillant des mille lunes portées à bout de bras par d'obscurs lampadaires, je suis d'instinct la piste qui mène à la petite place, avec son arbre, sa fontaine et son banc. Ces restes de campement, une fois identifiés, traces encore fraîches repérées, je repars à travers la ville, à la poursuite d'un rêve de pierre, de toutes ces pierres assises qui se souviennent d'avoir été poussière ou sable et d'avoir donné à l'errance la forme d'un pied. Le pied. Le pied est ce qu'il y a de plus horizontal dans l'homme. Constamment, il touche le sol et tient la tête, qui croit le gouverner, à distance. D'ailleurs, c'est lui qui règne sur la marche, dont la pensée la plus subtile n'est qu'une imitation. Là-haut, c'est l'exil, et il le sait. Lui qui tient sa plante tournée vers la terre et qui trouve partout son lieu, maintenant l'homme en ligne droite avec le centre. Comme il craint par-dessus tout le déséquilibre, il s'invente un double de l'autre côté du corps pour attraper le mouvement qui l'entraîne et qui, sans cette alternance, risquerait de mettre en péril la fière verticalité du bipède. Et les orteils, c'est un piano au fond de la chaussure, pour compléter l'orchestre et alléger la pesanteur. Dans le sommeil, C'est le corps tout entier, étendu dans le lit, qui devient pied, mais un pied immobile, tandis que le pied lui-même, soudain délaissé, se dresse en oreille attentive pour écouter dans le rêve la marche énigmatique du dormeur. La tête. Le sens de la perfection aurait voulu que la tête fût une boule, la plus petite planète de l'univers. Mais des cataclysmes intérieurs ont modelé son relief, aspérité du nez, brèche des yeux et de la bouche, ravinement du menton. À lui seul, le visage, qui est l'avant de la tête, dégagerait une violence inouïe, si les yeux n'étaient pas adoucis par les cils et les sourcils, et si les lèvres ne venaient pas dessiner la bouche sur le modèle d'un rapace en vol, elle déployée pour donner de l'essor à la parole. Indispensable la tête, si elle n'existait pas, l'homme verrait par les tétons, respirerait par le nombril, mangerait et parlerait avec le sexe. La seule justification de la tête est d'être le grenier du corps et la cave du ciel, instinct et lumière, un lieu pour la mémoire oubliée du monde dont je garde fidèlement les archives. La main. Dans la main, c'est la paume qui pense. Les lignes qui la plissent prouvent l'intensité de sa méditation qu'elle mène à ciel ouvert. Le cerveau est nu sous les doigts, qui souvent accroquevillé se prosterne devant lui et en même temps le protège d'une barricade. Les ongles sont des boucliers pour ces fiers guerriers qui vont à la conquête des choses et ramènent leur offrande à l'idole. Le pouce est l'ange rebelle. Faisant face aux adorateurs, il les défie un à un, puis, lassé, se retire du combat pour chercher de biais sa propre voie dans l'espace. C'est à la commissure du pouce et de l'index qu'on trouve la bouche. Elle ne parle pas, mais elle rit. Jamais elle ne s'arrête de rire. Pendant qu'au dos de la main, là où l'on compte les mois sur les bosses, le temps décidément imperturbable continue de jouer à saute-mouton avec la vie. L'homme. Celui qui cherche le sens et a ficelé le monde, c'est l'homme. Par sa forme verticale et somme toute étroite, il aurait pu rester un simple point d'exclamation dans la phrase interminable qui a commencé dès sa naissance. Mais l'oreille est là, de chaque côté du visage, à poser l'interrogation qui, sans elle, resterait en suspens dans les yeux. Alors le regard s'envole vers la réponse. Les cils sont ses ailes, mais c'est la pointe du nez qui montre la voie. S'il la ramène, la colonne vertébrale dressée et frissonnante portera la tête en triomphe. Et si le regard ne revient pas, s'il se met à fuir avec le sens des choses, ma pensée désorientée se lance aussitôt à leur poursuite et je me surprends à mon tour à courir derrière sans parvenir à la rattraper. Je vais lire maintenant le dernier extrait de... je vais lire le dernier extrait qui se... Bon, je vais... Voilà. Voici maintenant un extrait de La voix de personne, toujours aux éditions Lettres Vives. Ce livre a été écrit alors que j'habitais Paris, dans le 15e arrondissement. Je disposais d'une terrasse qui donnait sur un jardin. Du côté droit, un hôtel déployait une vaste façade trouée de fenêtres, celle des chambres. En face, un peu en biais, il y avait un grand mur et quelques arbres. Plus loin, je voyais la montée d'escalier d'un immeuble. Je venais souvent sur cette terrasse, laissant l'écriture jaillir dans ma tête, mêlant le réel, l'imaginaire et la mémoire. Je vais donc vous lire la dernière partie qui va s'accélérant pour à la fin s'épanouir en une seule phrase. Takže nyní přejdu k poslednímu úryvku, který je z knihy Hlas nikoho. A tuto knihu jsem napsal, když jsem bydlel v Paříži v 15. obvodu. Měl jsem tehdy terasu s výhledem na velkou zahradu. Napravo jsem viděl fasádu hotelu, která byla plná oken. Na troti byla vysoká zeď a několik osamělých stromů. Viděl jsem v dálce také dlouhé schody. Často jsem chodil na tuto terasu, psal jsem a nechal jsem své myšlenky, aby se míchaly, aby mísily skutečnost s představami a se vzpomínkami. Tento úryvek se vlastně ve svém průběhu neustále zrychluje a nakonec se rozvíjí v jedné jediné velmi dlouhé větě. Alors la nuit, avec un espiègle, relève sa jupe et je vois que sa peau est blanche. C'est comme cela que ça commence, par presque rien. Soudain la nuit est femme, avec ses grandes échancrures ouvertes sur la vie et sur la mort, avec son décolleté d'africaine, donnant sur la savane brûlée, et ses longs cils offrant un horizon à l'invisible, nuit des enlacements et des étreintes, ouverte à coups de reins et de mots, cris et larmes mêlées, et ce quelque chose qui sort de soi pour s'épanouir en étoile dans le cœur de l'autre. J'imagine très précisément ses jambes, si fragiles, aux pieds et aux chevilles, si peu en contact avec le sol, et qui s'élancent avec les mollets et les cuisses vers cette autre terre que dessine le ventre. Et cela tourbillonne autour du sexe et de l'anus, s'étrangle un peu au niveau des hanches, avant de retrouver de l'ampleur, avec les épaules rejetées en arrière, pour projeter les seins en avant avec insolence, pour parer pour l'abordage, alors que le cou, se faisant prudent, étire son doute avec la tête par l'interrogation de la bouche, des yeux et des sourcils, tandis que la réponse s'enfuit par la chevelure, ruisselant en cascade sur les reins et les fesses, le sens brusquement précipité au sol et se perdant dans la nuit sans laisser de traces, jupe aussitôt rabattue. La femme est nuit. De nouveau la nuit et la nuit. J'aurais aimé raconter sa légende, mais comment dire l'épopée de la nuit? Il faudrait donner de la voix dans la voilure et larguer les amarres, sans se retourner, sans port et sans attache, sans mémoire, voguant incognito sur le vaste océan noir du verbe, non pour découvrir de nouveaux paysages, mais pour les effacer tous d'un simple revers de vague. Pourtant, ce n'est qu'une petite voix qui sort de ma bouche pour dire la nuit, une toute petite voix pour une toute petite nuit, celle qui vient ici tous les soirs, seulement un peu plus tôt ou un peu plus tard, selon les saisons, et qui s'installe lentement, par petites touches de plus en plus foncées, au fur et à mesure que le temps passe, y compris dans ma conscience, qui se voudrait clarté absolue, mais qui n'est rien sans ce point noir, qui s'incruste dans le dedans comme une piqûre de guêpe et qui attise. C'est une nuit tombée du ciel, comme nous, et qui s'étonne à chaque crépuscule d'être de nouveau là dans les recoins, parmi les poubelles, rejetée dans les arrière-cours, souvent à l'affût, tapis dans l'ombre en quelque sorte, éguettant tel un chat de gouttière, levant la griffe, prêt à l'abattre sur l'intrus, qui chercherait à envahir son territoire, à lui imposer ce qu'il croit être la lumière, celle des hommes, fatalement étriquée, comme pour donner du sens à la nuit, alors qu'au contraire c'est la nuit, dans ce qu'elle a de plus obscur et d'incompréhensible, qui éclaire le sens. La voici rôdant autour de la fenêtre d'en face, prenant appui sur les rebords pour mieux faire ressortir la clarté de la pièce, et avec elle ces scintillements d'objets banals, de gestes ordinaires, qu'on aurait à peine vus en plein jour et qui, ainsi débusqués, s'illuminent soudain. Un verre à la main, la femme se lève et se dirige vers la glace, s'observe attentivement sous tous les angles, essayant des mimiques, défiant peut-être son image, avant de retourner s'asseoir sur le bord du lit, pensive, et ce mouvement dans l'espace de la chambre, à la fois érotique et quelconque, reste comme en suspens, diamant de l'éphémère dans son écrin de nuit, un soupçon de présence, la présence d'un soupçon dans le néant. Et on est là à cet instant, un peu en biais tout de même par rapport à la scène, quelque part dans l'espace et le temps. On ne sait d'ailleurs pas ce que c'est, mais on est là dans ça, sans l'avoir choisi, à tenter de dire sa propre présence, sans être complètement sûr de cette présence. c'est une impression assez vague. On ne sait pas tout à fait quoi. On n'en a pas vraiment conscience, mais de toute façon, on est ici pour quelque temps, à jouer avec le monde ou à le subir. On peut rester dans son coin, comme si on avait peur d'entrer en scène. Pour quelle pièce injouable. Le plus souvent, on finit par s'avancer quand même, en maugréant, en titubant, sans savoir quelle force nous pousse à aller de l'avant, avec d'autres voyageurs tout aussi démunis et perdus, se demandant eux aussi ce qu'ils font là, en exil, mais sans lieu d'origine, pressentant obscurément qu'ils ne viennent pas d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'ailleurs. On sait seulement qu'il faut y aller, sans savoir où, que le temps est plus court que l'espace et qu'il viendra un jour couper la route, que la mort finira par casser le voyage et ce sera alors comme si nous n'avions jamais existé. Il ne restera rien pour la mémoire au bout du compte, pour personne. On est venu là parce que par inadvertance, par la grâce d'un spermatozoïde plus fort ou plus malin, peut-être plus séducteur que les autres. C'est donc ça la vie, tout ce rien, ce tout petit bruit pour rien, jeté en pure perte dans l'immensité pour dire simplement qu'on existe, même si personne n'écoute. Ce petit bruit, cette petite voix qui me vient aux lèvres, comme la saveur désabusée de toute chose, la voix de personne. Il reste bien un peu de jeu dans l'intonation, quand au fil des saisons, je regarde l'arbre, la nuit, le ciel. Quand je te regarde, moi qui n'ai jamais su dire « je t'aime », le vent le dit tellement mieux quand il passe en frisson sur ta peau. C'est le vent des grands larges. Il vient avec la marée montante dans l'estuaire de tes cuisses, y apportant les embruns, y avivant ce parfum d'algues qui me prend aussitôt à la gorge. Entends-tu ce murmure? Sens-tu ce souffle sur tes lèvres? À marée basse, la mer déplie ses jambes et, en se découvrant, révèle de nouveau ce chemin qui mène à l'île Calotte, à travers sables et rochers. C'est par là que tu marches. De chaque côté, les vagues provisoirement soumises s'inclinent et t'abandonnent les trois passages. Leur clapotis autour de tes chevilles fait écho au ruissellement de tes cheveux et à l'éclat de ton rire, mais le balancement de tes hanches, c'est pour moi seul, dans un dernier regard, alors que l'océan commence déjà, par un lent et vaste déploiement, à reprendre son territoire en effaçant nos traces. Ce n'était donc qu'un feu de broussailles, avec quelques crépitements. Le vent a dispersé la braise. Me voici de nouveau face au mur, avec sur les lèvres un goût de cendre. Ô peuple invisible qui hante mes nuits et qui n'a plus rien à dire. Même la petite voix ne m'appartenait pas. Elle m'a quitté, elle s'en est allée parmi le monde. Qui parle maintenant dehors d'une voix aussi minuscule? Qui appelle dans le désert? Qui cherche à renouer l'alliance? Je suis aux aguets, je regarde, j'écoute. J'écoute la rumeur qui monte des choses. La pensée vide, j'entre en résonance. La parole peut jaillir d'une simple motte de terre ou d'un reflet dans la vitre. Ce ne seraient d'abord que des murmures épars, des chuchotements qui lentement se rassembleraient et finiraient par former un début de phrase encore balbutiante. Puis, de ruisseau, la petite voie deviendrait rivière et fleuve. Chargée d'alluvions, peut-être de pépites, la phrase prendrait de l'ampleur, se laisserait porter par le courant jusqu'à la haute mer. Dans les remous de la langue ainsi forgée, l'écriture du monde serait fragile et menacerait à chaque instant de se noyer, de sombrer dans l'abîme. Mais chaque fois, elle se redresserait avec la vague, s'élançant en pied, dans la lumière, vers un point de toute façon innommable, une ponctuation pour le silence. La femme monte escalier. Sa jupe courte permet d'apercevoir dans un tourbillon de peau blanche la jambe légèrement posée en arrière sur la marche et qui s'étire langoureusement, tandis que l'autre, pliée, reste dissimulée sous l'étoffe, ne voulant pas montrer à autrui la crispation qui la propulse vers la prochaine étape où ce sera son tour d'être en retrait, soudain lascive et offerte, et ainsi par alternance jusqu'au dernier étage de l'immeuble où la femme cherchera sa clé dans l'écrin noir d'un sac à main, ouvrant la porte et dans ce mouvement poussant une autre porte plus secrète qui donne sur un ailleurs imprévisible. Ce n'est pourtant que la vie, toute la vie, immédiate et lointaine, avec son frissonnement qui parvient même à exalter les herbes du jardin, subitement dressées, turgescentes, à faire vibrer leurs bords coupants à une musique étrange et sensuelle qui s'élève dans la nuit complice jusqu'à la fenêtre de la chambre, derrière laquelle la femme, n'envisageant à aucun moment de tirer les rideaux, se donnant à voir à travers la légèreté du voilage, se dirige en diagonale sur le damier injouable du parquet, vers le miroir pour y découvrir son visage sous un angle qu'elle ne connaissait pas. C'est comme si elle avait d'un seul coup arraché le voile et qu'elle se voyait nue pour la première fois, allant maintenant à sa fenêtre, l'ouvrant et regardant de la même façon, non pas l'étoile, mais le monde, comme s'il venait de naître, dans la lumière primitive d'un verbe inconnu qui en est encore à son balbutiement et qui rassemble dans le jardin des fragments de voix, des bribes de sens, des vertiges, de la poussière de temps, tous ces petits riens entrecoupés de silence, tous ces silences reliés entre eux par le silence, tout ce silence à jamais seul et que rien ne relie, mais que la voix porte en écho dans chaque mot. Devinant la femme, qu'elle est elle-même ainsi penchée à la balustrade, qu'un moment seulement plus intense, plus exalté du déploiement de cette phrase, présente en cet instant et à cet endroit, comme un phare qui éclaire par intermittence le vaste océan de la nuit, traduisant la sourde menace du non-dit en signaux que se renvoient les choses et qui les tiennent en alerte. La femme se penchant et se tournant d'abord vers l'arbre, le regard embué, nostalgique, se souvenant peut-être du temps où elle s'identifiait à une des branches femelles, amoureuse du vent nomade, qui la soulevait et l'emportait, imaginait-elle, jusqu'au firmament où elle dansait jusqu'à l'aube avec le ciel, tandis que le vieux tronc rugueux, ainsi délaissé, se contractait encore davantage, cherchant refuge par ses racines dans le sol natal, comme on s'accroche à des certitudes, croyant tenir le centre dans le nulle part du monde et retrouver de cette façon une emprise sur tout ce qui bouge et tourbillonne. Mais finalement vaincue dans sa profondeur hautaine et inaccessible, rejetée de toutes les sensations dont la femme, toujours penchée à la fenêtre, se fait maintenant l'écho, appelant toutes les voix éparpillées dans l'obscurité, toutes les voix déclassées et oubliées, celles qui dormaient parmi les choses et que nul n'entendait, les exhortant à monter jusqu'à elle avec le vent par vagues successives pour les rassembler en une phrase unique dont elle est en partie l'inspiratrice, montrant d'un geste à la fois solennel et désinvolte une direction dans la nuit qui commence à pâlir, portant déjà en mains endroits les stigmates blanchâtres de l'aurore, la femme relançant plus loin le voyage, quelque part là-bas dans le matin de tous les possibles, puis voici soudain qu'elle se tourne vers moi, toujours debout sur ma terrasse, héroïque et vain face au mur, qu'elle m'appelle à mon tour d'un bout à l'autre du jardin, cherchant sans doute à m'entraîner dans le champ qui monte du limon de la terre, n'y parvenant pas, ne trouvant pas de prise en moi pour me faire basculer dans l'errance. Elle écoute alors une dernière fois la rumeur de la nuit, qu'elle a elle-même suscitée, et que le vent emporte vers le petit jour, puis, se désintéressant de cette langue nouvelle, partie à la découverte d'un nouveau monde, elle referme brusquement la fenêtre et tire les rideaux, se retirant sinon dans la transcendance, du moins dans cette marge que la vie s'invente à côté des choses, comme un espace de résistance. Peut-être s'est-elle allongée sur le lit et fait-elle l'amour, ramassant la phrase en un seul cri, en un cri unique, écrit avec le souffle à même la peau, en dehors des pages. Peut-être s'est-elle endormie, rejoignant par le rêve, tout elle n'aura au réveil qu'un souvenir vague, la horde du verbe, issue du chaos des choses, la guidant au milieu des tempêtes, vers le point de l'aube où le soleil apparaît, porteur d'un sens lumineux qui vient se baigner dans les vagues de la langue. Peut-être, au contraire, a-t-elle choisi plutôt de sombrer sans remords dans un sommeil profond, aux confins du silence, me laissant de toute façon seul face à l'incompréhensible, comme si j'avais été condamné à chercher toute ma vie une traduction impossible, tandis que des oiseaux, à peine éveillés, rassemblent leurs ailes et leurs cris au-dessus de ma tête, et tourbillonne un peu hagard dans la lumière descente, tournant jusqu'au vertige dans mon regard autour de la pupille dilatée qui a su retrouver et garder intacte l'illumination de la nuit. Merci. Děkujeme. Merci beaucoup, monsieur Roussel. A teď, jestli má někdo nějaké otázky, tak prosila bych vás, abyste mluvili do mikrofonu, který vám budeme podávat. Za dobu trvání tohoto festivalu je to asi poprvé, co z toho vašeho čtení mám pocit, jakoby si svět, ve kterém žijeme, s náma vyměnili role. A jakoby, i když ten váš projev je vlastně plný lidí, tak jakoby to bylo všechno to okolní, teď nemyslím ani lidi, ani zvířat, ale to ostatní, co začíná promlouvat a jakoby promlouvalo jenom z radosti, která je dána schopností mluvit. A přitom to sdělení, které v těch slovech vlastně takto vytváříte nebo vzniká, tak jakoby neneslo obsah a jenom v určitých chvílích se tomu podstatnému obsahu přibližovalo. Takže převážně mně připadá, jakoby ta slova, která jsou krásná, jakoby promlouvala o něčem, ale způsobem, který mě připadal naprosto misterný. Takže bych vám chtěl poděkovat a pak mám ještě teda otázku, když jste na začátku říkal něco o české poezii, tak je tady pan Král, takže možná to bylo kvůli němu a jinak je to tvár podcast o českou literaturu mě připadala, jako kdybyste tady u nás na Moravě chválili žirafy v Grónsku, takže jsem se chtěl ještě zeptat, jestli máte nějaký pěkný vztah k moravské poezii. To byla velice složitá otázka, tak já se pokusím, nakolik to půjde, ji přeložit. Donc, j'avais l'impression, en lisant, en écoutant votre texte, que c'était comme si le monde et les personnes avaient changé de rôle. Parce que ce que vous avez lu était plein de personnes, plein de gens. Et en même temps, c'était plutôt le reste, donc non les hommes et non les animaux, qui ont parlé. Et qui ont parlé avec une gaieté dotée de paroles. Mais j'avais l'impression que le texte ne touchait le fond et le contenu que par moment. Et que c'était qu'il ne l'approchait que dans certains moments. Et que c'était en fait un peu privé de contenu, mais je voudrais vous dire que la façon dont vous exprimez les choses me plaît beaucoup. Et maintenant, je voudrais vous en remercier. Et maintenant, ma question. D'abord, quand vous avez parlé de la poésie tchèque, c'était peut-être à cause de votre amitié avec monsieur Král, mais je pense que vous en avez parlé d'une façon comme si vous avez décrit des girafes en Groenland. Mais des girafes en Groenland, donc d'une façon dépassée, disons. Et ma question, c'était, je vais demander ce que c'était parce que j'ai oublié. Donc la question, c'était quel est votre lien à la poésie morave, pas tchèque mais morave? Oui, alors je dois dire que en France, en réalité, les contacts avec les écrivains, ça marche pas ça si. Les contacts avec les écrivains et certains artistes de la République tchèque sont connus depuis longtemps, bien avant Petr Král, parce que par exemple Šíma par exemple a été un des membres fondateurs d'un mouvement très important en France qui était le Grand Jeu. Et tout le monde sait en France, que enfin les gens qui s'intéressent à ça en France, que le mouvement surréaliste a eu des liens extrêmement étroits avec, avec des poètes, surtout de République tchèque. Bon, je pense à Nezval notamment, mais donc déjà avant que je connaisse Petr Král, parce que les milieux surréalistes m'intéressaient, j'avais forcément une certaine approche. Il est évident que Petr Král a apporté, par ses traductions, par ses anthologies, une bien meilleure connaissance de la poésie d'auteurs plus contemporains. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Oui, alors donc, ce que je connais des poètes moraves, je peux en citer peu. Je peux citer le cousin de Kundera, Ludvik, parce qu'en effet, il est accessible dans les anthologies. Bien sûr, il y a bien sûr Milan Kundera lui-même, mais là, qui est un romancier, bien sûr. Mais je n'ai pas, bien sûr, la prétention, encore une fois, de tout connaître de la poésie tchèque, et notamment morave. Encore une fois, je la connais surtout dans l'anthologie. Je regrette vraiment que en France, on n'ait pas suffisamment traduit en livre entier des grands poètes tchèques. On connaît par exemple Reznicek, parce qu'il était traduit chez Gallimard, donc on le connaît. Mais malheureusement, il y a tout un travail à faire dessus. Reznicek, et je prononce mal. J'ai répondu, je ne sais pas si j'ai... Donc, že česky, že? Takže ve Francii ty vztahy českých a francouzských spisovatelů a vůbec umělců, to není jen otázka současnosti a otázka toho, co udělal Petr Král, ale ty vztahy jsou velice dlouhé, mají svou dlouholetou tradici. Například básník Šíma založil ve Francii umělecký směr Grand Jeu a vůbec surrealisté měli velice blízký vztah k české poezii, například k poezii Nezvalově. A samozřejmě můj vztah k české poezii je možná podmíněn z velké části tím přátelstvím s Petrem Králem, protože je také jasné, že Petr Král se z velké části zasloužil o to, že současná česká poezie je ve Francii nějakým způsobem známá tím, že připravil antologie české poezie ve francouzštině. Já znám, takže co se týče české poezie, je to asi tolik. A co se týče básníků moravských, tak já znám právě z antologií Petra Krále, Ludvíka Kunderu, bratrance Milana Kundery, znám také Milana Kunderu, což tedy není to básník, ale spíše prozaik. Ale já tady nechci předstírat, že znám úplně všechno z té poezie. A také musím říci, že lituji, že té české poezie ve Francii není až tolik, že jsou zde pouze ty antologie a bylo přeloženo pouze málo celých děl. Například Řezníček, kterého znám. Dobrý večer. Já bych měl otázky dvě, pokud se to dále nějak nerozvine. Za prvé jsem chtěl říct, zabývám se za tou okolností okrajově klasickou kabalou, to znamená, zaujal mě především ten úvod, abych pravdu řekl. A chtěl jsem se zeptat, získal jsem takový dojem z textů, které jsem četl, že nevěříte v jakýkoliv přesah ducha po smrti, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to pouze můj dojem, nebo jestli je to skutečnost, tak to je prvá otázka. A druhá otázka, chtěl jsem se zeptat v souvislosti právě s tou prvou částí, kdy jste mluvil o tom, že se zabýváte, pardon, se zabýváte jazykem ve formě jakéhosi zvláštního druhu kabalí, tak jaký je váš vztah k anglickému jazyku, protože já jsem pod okolností cirka přesně před 10 lety se seznámil s Angličanem žijícím v Praze, který řekl, že francouzskou kulturu prakticky v Anglii zná velice omezený počet lidí. A když jsem se ptal z jakého důvodu, tak se hluboce zamyslel a pak řekl, že to bude nejspíše tím, že ti Francouzi tak nemožně mluví. Takže chtěl jsem se zeptat, jestli je to i opačné, jestli se i Francouzům zdá, že Angličané prostě nemožně mluví. A tím bych asi uzavřel tu druhou otázku. Moc zatím děkuji. Donc, j'aurais deux questions. La première question, en fait, est liée au fait que moi, personnellement, je étudie la Kabbalah classique. Donc, c'est l'introduction qui m'a impressionnée. Et de vos textes, j'ai eu l'impression que vous ne croyez pas en un dépassement de l'esprit, en quelque chose au-delà. Donc, je voudrais vous demander si c'était juste une impression, ou bien si c'est vrai. Et après, la deuxième question, qui concerne la première partie, où il a été dit que vous vous occupez de cette espèce de Kabbalah phonétique ou Kabbalah linguistique. Et je voudrais vous demander, dans ce contexte, quelle est votre relation à la langue anglaise? Parce que moi, il y a 10 ans, j'ai rencontré un Anglais vivant à Prague qui m'a dit que la culture française était plutôt peu connue en Angleterre. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que, après avoir pensé longuement, que c'est probablement à cause du fait que les Français parlent d'une façon impossible. Et donc je voudrais vous demander si vous croyez que c'est réciproque, et si vous croyez aussi que les Anglais parlent une langue impossible. Voilà. Donc je vais commencer par la première question dans l'ordre. Je considère qu'il y a le monde, il y a l'homme, et entre l'homme et le monde, il y a ce qu'on appelle la langue. Donc en réalité, en tant que poète, ce qui m'intéresse, c'est de pousser la langue aussi loin que je peux le faire. C'est pas forcément transparent dans tous les textes, mais il y a certains textes où ce qui m'a plus préoccupé dans la démarche, c'est une sorte d'une quête du silence. Alors je dois dire, parce que la question m'intéresse d'autant plus, que je suis réellement passionné par les grandes métaphysiques orientales, et je suis donc pas du tout, ignorant du bouddhisme Chan, du bouddhisme Zen, et puis des grandes spiritualités d'origine, je pense notamment à Soravardi, à Attar, ces grands auteurs de la Perse, qui sont justement sur le plan d'une certaine quête, si je peux dire, au sens fort, d'une quête spirituelle, d'ailleurs qui est parfois menée à travers les mots dans ces disciplines-là. Donc ça, c'était peut-être pour répondre en partie, parce que je pourrais y revenir, bien sûr, si vous souhaitez un complément d'information. Alors quant à la deuxième question, ce qui est passionnant en réalité, c'est qu'en effet, la langue française, elle a à la fois comme qualité, mais aussi comme principal défaut, de porter loin l'abstraction. C'est une langue qui, contrairement à la langue tchèque, telle que je peux la comprendre à travers Bami, telle que Petr, c'est que c'est une langue qui est beaucoup plus concrète. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit moins métaphysique, bien sûr. Hein. Elle est tout aussi métaphysique. Mais ce qui est prodigieux, et moi je ne suis pas capable de le faire, parce que je m'exprime dans une langue qui est la langue française, mais j'ai pu constater, par exemple, après je ne reviendrai pas à lui, mais quelle est la force d'un poète comme Petr Král, c'est que c'est non seulement un auteur tchèque, mais c'est à part entière un poète français, parce que c'est un homme, précisément, qui a voyagé dans les deux langues. Et ça, c'est quelque chose, une expérience fondamentale. Hier, le poète qui était là aussi a pu jouer sur le roumain et sur la langue française. Mais moi, je pense quand même que cette langue française, c'est peut-être une langue impossible, mais elle peut quand même nous mener très loin d'une certaine façon. Maintenant, mes rapports avec la langue anglaise sont malheureusement lointains, donc je ne peux pas en dire. Et je suis prêt, bien sûr, à revenir sur certaines précisions. Takže k té první otázce, já si myslím, že existuje svět, existuje člověk a mezi nimi je právě jazyk. A právě v poezii se snažím o to zajít v jazyce tak daleko, jak je to možné. A v podstatě je to až určité hledání ticha. A jinak, co se týče té metafyziky, tak já se zajímám o orientální filozofii a například o buddhismus, o chan buddhismus a zen buddhismus a čtu také různé perské texty, jako například Soravardiho a další autory. A myslím si, že právě v těchto textech často probíhá jisté duchovní hledání právě přes slova, přes jazyk. Takže to by bylo asi tolik k té první otázce a kdybyste chtěl, tak to mohu ještě doplnit. A k té druhé otázce, francouzština má velice důležitou vlastnost. Je to vlastnost pozitivní, ale také i hlavní chyba francouzštiny. A to je to, že je to jazyk velice abstraktní. Na rozdíl od češtiny, z toho, co jsem pochopil, také prostřednictvím Petra Krále, která je jazykem konkrétnějším. A myslím si, že to neznamená, že by čeština nebyla jazykem metafyzickým, ale myslím si, že právě díky těmto zvláštnostem francouzštiny je vlastně možné zacházet v jazyce velmi daleko. A myslím si, že v tom je právě síla básní Petra Krále, který je českým básníkem, ale je také plnoprávným básníkem francouzským. A to je v jeho tvorbě velice důležité. Stejně jako tomu bylo u toho rumunsko-francouzského autora, který zde byl včera, který právě může přeskakovat nebo hledat určitá spojení mezi rumunštinou a francouzštinou. Tak myslím, že to je velice základní v poezii těchto dvoujazyčných básníků. A co se týče té francouzštiny ještě jednou, možná je to nemožný jazyk podle některých, ale já si myslím, že to je jazyk, který umožňuje zacházet velice daleko. A jinak k angličtině mám bohužel velice daleký vztah, takže nemohu posuzovat. Concernant ce qui se rapporte à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire vous dites que le français est une langue abstraite, enfin beaucoup plus abstraite que le tchèque par exemple, et en lisant votre poésie on a l'impression que dans cette langue vous cherchez plutôt le concret, ou si j'ose dire la matérialité des mots, enfin la matérialité de la langue à travers les objets, etc. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que j'ai bien compris la recherche de votre poésie? Et ensuite, j'ai l'impression, en écoutant votre texte, en lisant vos textes, que c'est une sorte de prolongement du travail de Francis Ponge. C'est-à-dire, je songe notamment au parti pris des choses. Il prête une attention particulière à à des choses qui, on a l'impression, qui sont dressées par l'homme, c'est-à-dire des parties du monde auxquelles on ne prête pas attention. Est-ce que c'est aussi votre cas, ou comment vous vous situez par rapport à ce poète? Mám to, co... Já jsem položil otázku, nebo jsem se zeptal na to, co pan Roussel říkal předtím, že tady francouzština je abstraktní jazyk a při čtení těch jeho textů má člověk pocit, že tady tím abstraktním jazykem ovšem hledá nějakou konkrétnost toho jazyka nebo materialitu slov. A že vlastně v těch jeho textech se objevují konkrétní věci, ty předměty, které se tam vyskytují, které vlastně, to jsou vlastně postavy v těch jeho textech. To jsou jakoby předměty, které člověk nechal stranou, nebo kterým vlastně příliš nevěnujeme pozornost. Tak. A ptal jsem se ho, jestli tady tou poezí, jestli vlastně navazuje na práci jednoho, nebo na dílo jednoho francouzského básníka Francise Ponge, který působil v 60. a 70. letech. Oui, en fait, j'essaie d'explorer par la poésie, dans la langue française, tout ce qu'elle peut me permettre d'appréhender. Donc c'est vrai que si la langue française a une tendance à porter l'abstraction, elle permet aussi, pour peu qu'on veuille bien s'en donner la peine, surtout à travers la poésie, de réinvestir une sensualité. Et donc je suis d'autant plus sensible à ce que vous venez de dire, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle « La vie privée des mots », mais que l'autre volet, que je vais bientôt commencer d'ailleurs à mettre en chantier, c'est la vie privée des choses. Et il va de soi que dans cette démarche-là, je vais essayer d'aborder les choses précisément, comme savent si bien le faire d'ailleurs les Tchèques, à travers des poètes français, dont Ponge bien sûr, qui est quasiment incontournable dans cette approche. Et pourquoi j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « La vie privée des mots », c'est précisément pour essayer d'investir le concret du mot, à travers sa forme, et donc d'essayer de casser précisément l'essence qu'on veut bien lui donner. Et voilà dans quel débat je m'inscris. Il est évident que j'ai essayé de donner un aperçu avec la chaise, la table, etc., du travail que je voudrais essayer de mener plus complètement, tout en ayant un regard sur les grands poètes qui ont abordé précisément le monde des choses, le monde de l'objet. Et je pense que j'ai répondu à ce que je pense être difficile de me faire revenir très cher. Takže první část odpovědi, aby to nebylo příliš dlouhé, abych to mohla hezky přetlumočit. Takže samozřejmě já využívám v poezii francouzštinu, která je sice abstraktním jazykem, ale má také určitou sensuálnost. Napsal jsem knihu Soukromý život slov, ze které jsme četli ukázku, ale připravuji také knihu Soukromý život věcí. A stejně tak, jako to vidím v české poezii, která se soustředí často na konkrétnost, a stejně jako je tomu právě u Francise Ponge, kterému se v podstatě ve své tvorbě nemohu vyhnout, tak se snažím právě prostřednictvím konkrétnosti, prostřednictvím materiální stránky slova, to slovo, jak si se dostat k něčemu právě přes jeho formu, nezávisle na smyslu, který tomu slovu obvykle dáváme. A samozřejmě ano, měl jsem tady v patrnosti také dílo Francise Ponge, když jsem své sbírky psal. Je vous remercie d'abord pour cette lecture et aussi pour une œuvre qui est très inspiratrice, qui m'a donné un peu de fil à retordre, comme on dit, parce que j'ai traduit quelques extraits. Ce qui m'a donné le plus de plaisir à traduire, c'était la partie sur les choses. Et je l'ai discuté avec ma collègue et elle a constaté que c'est ce regard insolite qu'ont souvent les enfants. Moi, j'ai pensé plutôt que c'était aussi un regard phénoménologique. Excusez-moi, je suis un peu sous, j'entends mal. Ma climaxion maintenant, elle est entre les deux regards. Donc, évidemment, vous posez sur les choses, même les objets, disons, ordinaires, un regard très, très insolite, très, très nouveau. Et je me demande si, sur votre procédé, comment vous le faites, parce que ça demande quand même une certaine libération, n'est-ce pas, du quotidien, etc. Et donc, si vous pratiquez le regard de l'enfant, comme a constaté ma collègue, qui a des enfants, donc, qui le voit aussi, ou si vous êtes plutôt phénoménologue à la manière de Husserl, etc. Tout bref, votre procédé de travail avec ce regard insolite des choses, la vie. Takže já bych se tedy rád zeptal, jednou chtěl poděkovat za toto inspirativní četbu, dílo, protože jsem nějaké ty rubriky překládal, tak jsem jednak některé části se překládaly velice těžko, ale na druhou stranu jsem měl velké potěšení s překládem právě těch věcí a částí těla. A tam bych se chtěl právě zeptat, protože takový pohled netradiční, neumšelý na běžné věci, s kterými se setkáváme každodenně, tak se chci zeptat, jestli, jak mi říkala kolegyně, takový dětský pohled na svět, tak jestli to je jeden z těch postupů, kterým se pan Roussel dívá, nebo jestli je spíš fenomenolog, který nahlíží na věc z takového toho nezaujatého fenomenologického hlediska, zvlášť tím svým pohledem. Ta otázka nebyla příliš složitá. J'espère que la question n'a pas été trop compliquée. C'est d'autant plus juste sur ce que vous dites, si vous relisez la réponse que j'ai faite au questionnaire de Proust, quelle qualité vous intéresse le plus? J'ai répondu l'étonnement. Parce que pourquoi la poésie est aussi passionnante, c'est qu'on ne sait pas vraiment où l'on va. C'est-à-dire que la poésie, c'est à travers des mots, essayer de réinterroger. Là, en l'occurrence, les choses. Et donc, en définitive, on fait comme si rien n'avait été dit sur une table. On se dit, bon, qu'est-ce que c'est qu'une table? Voilà, pour répondre très précisément. Qu'est-ce que c'est qu'une table? J'ai essayé de dire, ben voilà, une table, c'est ça. Une table, même si on la fout dans un coin, même si on la met dans un coin, eh bien, elle est au centre. Elle tient une telle position dans l'espace que même si on essaie de faire en sorte qu'elle n'existe pas, elle est encore plus présente. Et j'ai essayé de faire la même chose avec la plupart des objets, avec la tête, avec la main. Bon, je considère que ce livre-là, c'est un peu les prémices, en effet, d'un ouvrage de plus grande ampleur, encore une fois, que je voudrais intituler « La vie privée des choses ». Mais je crois que la principale intérêt dans la poésie, c'est de pouvoir s'étonner devant le monde, devant les autres. C'est la première chose, quand j'ai commencé à écrire, c'est surtout ça qui a porté toute ma démarche. C'est à la fois une quête du sens, à travers la poésie, et en même temps une quête d'émotion. C'est un alliage entre l'émotion, la quête de l'émotion, et une quête de la pensée. Ce que ne permet pas toujours la pensée philosophique, qui est dans un autre domaine. Takže vlastně to moje hledání pravdy souvisí i s tím, co jsem uvedl v odpovědi na otázku, jakou vlastnost mám nejradši. Napsal jsem, že je to údiv. A v podstatě v poezii je zajímavé to, že když ji píšeme, tak ani nevíme, kam směřujeme. Objevují se nové otázky. Já si vlastně kladu takové otázky, jako například, co je to stůl, a kladu si takovým způsobem, jako by o stole nikdy nebylo nic předtím řečeno, a to samé dělám s ostatními předměty. A pak si odpovídám, že vlastně stůl, i když je v rohu, tak je stále ve středu. a tak podobně s těmi ostatními předměty. A tyhle ty moje texty, ty úryvky, které jsem zde četl, jsou vlastně takovým úvodem k většímu celku, který bych rád někdy v budoucnu napsal a který by se jmenoval právě Soukromý život věcí. A myslím si, že v poezii je důležitý právě ten údiv, schopnost umět žasnout před světem a také před jinými lidmi. A v poezii hledám jednak smysl, to znamená, je to hledání metafyzické, ale hledám také pocity. To znamená, že se to děje na rovině myšlenek, ale také na rovině citové, což si myslím, že na rozdíl od poezie filozofie neumožňuje.